Photo. 6341. Ah oui, d'accord, on a eu dans la maison de Charlie. Ah ouais, c'est un raccourci, raccourci, tu veux. Alors, là c'est la zone de CWS avec le magasin, d'accord, c'est un magasin, une batterie ici. Donc Town, ah, ok, donc c'est cette zone-là. Hunter Canyon, donc là avec la zone d'arrivée j'ai l'impression. Walter Soutus, Fall. Le mur. La tour. Ah non, ça c'est Town, c'est ville, je confonds Town et Tower. Trop con le gars. Furley, Cemetery. Ah il habite juste à côté du cimetière, super. Lake Fuel Supply. Plateau, d'accord. Donc il y a des choses, pour l'instant on n'y a pas accès, genre là et même là. J'ai fait ça sans le voir, je suis trop con. D'accord, donc un S. Je dirais le début du symbole nazi. Pas assez rassurant. Information sur les semences. Pour faire des enfants, ça, non? Graines ambassadrices. Les premiers documents relatifs aux graines ambassadrices remontent à environ 150 années terrestres. Elles apparaissaient tous les 400 jours environ, si les arbres sont en bonne santé. Les échanges naturels de graines interviennent entre deux paires de graines. Nous le savons désormais, tomber simultanément d'arbres sains dans des sphères appariées. Lorsqu'une graine de chaque sphère est touchée par une espèce de la sphère, l'échange se produit et envoie un ambassadeur de chaque sphère dans la sphère appariée. Le lieu d'échange est déterminé par les emplacements des paires de graines. Après le premier échange, les graines se rechargent vite, ce qui permet un retour rapide. Les rencontres initiales ont été intenses, mais entendues brèves. Ce fut une grande surprise pour les Mofang, comme pour nous. Au fil du temps, le rechargement des graines est devenu plus long, d'où des séjours interespèces prolongés. Graines collectrices. Tous les arrivants connaissaient les graines collectrices. La vive lumière qui nous a tous attirés avant le phénomène qui nous a amenés ici était due à une graine collectrice. Ce que les nouveaux arrivants ne savent pas forcément, c'est que ces graines, comme toutes les autres, vont toujours par paires. Lorsque l'arbre laisse tomber une graine collectrice au sol, cela indique que sa jumelle a entamé sa quête d'un nouvel être. Cette recherche peut aboutir en quelques heures ou réclamer plusieurs années. Quand une situation appropriée, menace de mort non naturelle, point d'interrogation, du mal à le dire, est détectée, la graine s'active et procède à l'échange entre une petite sphère, la taille pouvant cependant varier, située sur Terre ou tout autre lieu approprié. Celles se trouvent ici, à Urrat. Avec l'augmentation de la population Unrat, nous avons pris l'habitude de chercher les graines collectrices récemment tombées, de les recueillir et de les placer dans le secteur du canyon d'entrée. Ceci a permis de mettre en place un mode d'entrée plus prévisible des nouveaux arrivants et de concentrer au même endroit les ressources susceptibles d'accompagner tout nouvel arrivant. Contrairement aux graines ambassadrices et aux graines menées, les graines collectrices ne semblent pas survivre. Le noyau interne est épuisé, il ne reste plus que la coque sans vie. C'est long ou pas? Non, c'est la dernière page. Graine mère. Hypothèse non vérifiée. Émise pour la première fois par Aiyama Amsa 2232 PVH. L'idée de graine mère constitue une vie extrapolation du comportement des graines inférieures à une super graine. Selon elle, le processus qui crée les sphères à appariées, elle est similaire à celui des autres échanges, mais à une beaucoup plus grande échelle. L'idée est que de graines émanant d'un arbre mère est éparpillée par les vents galactique afin de trouver des environnements similaires et compatibles. À la découverte de deux de ces environnements, un processus se déclenche et procède à l'échange. Deux des vastes portions de terrain de monde très différents. Selon Alima, l'emplacement des arbres au centre des sphères montre également que les arbres ont poussé à partir de graines mères. En raison de ces similarités, on estimait qu'un nouvel échange de sphères environnement entière était envisageable en utilisant une version surdimensionnée de la machine des graines ambassadrices. J'ai absolument rien compris. Voilà. J'ai lu pour lire, mais j'ai rien pigé. Communication
converser avec nos voisins, nous considérons la communication allant de soi malgré les diverses langues utilisées avec Enrath. Mais lorsque nous retrouvons soudainement confrontés à une espèce intelligente, ne partageant pas notre culture, notre histoire, notre ADN, ni nos cordes vocales, la moindre amorce de discussion requiert des efforts considérables. Ce bref aperçu a pour but d'indiquer que nous pouvons atteindre nos tentatives de communication avec nos voisins. On a été premiers non-humains que nous avons rencontrés disposant de capacités physiques de vocalisation relativement proches avec les nôtres. Il sera rapidement approprié quelques mots humains. C'est de l'imitation qu'est apparue et l'expression désignant cette espèce s'ils sont en mesure de reproduire des mots et des phrases simples. Il est rapidement apparu que les considérables différences grammaticales seraient difficiles à surmonter. Selon certains problèmes, viendrait du fait que les Mofang ont cherché à apprendre la totalité des langues humaines, ce qui les empêchait d'assimiler une structure grammaticale cohérente. Quoi qu'il en soit, malgré la construction rudimentaire des phrases, la communication s'est avérée très facile et nous n'avons pas eu à leur apprendre leur langue au-delà de quelques expressions simples et des noms propres. Si vous souhaitez en savoir plus sur la communication avec les Mofang, veuillez contacter Tom. Après, il y a les vilaines. J'ai la flemme de tout lire. Les Araïs, ah oui d'accord, donc c'est différent. Donc il y a trois espèces du coup. D'accord. Ouf. Ils ont l'air moins sympathiques quand même. Ah ouais, encore moins. Ah, c'est spécial quand même. D'accord. Je commence à avoir la flemme de lire. Je pense qu'il est temps que je m'arrête. Welcome, bienvenue. On va activer ça, on va voir. Ah. D'accord, donc elle nous parle de ce passage-là. Ça veut dire quoi? Oh, le chat, tu m'emmerdes. Je te satellise le chat. Viens faire mal. Pourquoi t'en fais mal? En plus, c'est mouillé. T'es trempé, le chat. Alors. Bon, je pense clairement qu'il faut l'aligner avec ça là. Alors là, ça indique un. Je sais pas si c'est. Enfin, c'est bizarre en fait. Parce que là, on est d'accord, bah, ça désigne le contour. Je pense pas qu'il y ait autre chose à faire. À faire des bêtises. Après, ouais, il y a 1, 5, ouais, je sais pas trop, je comprends pas tout. Bienvenue Enrath, merci de nous fournir quelques informations, d'accord. Donc finalement c'est elle qui était censée nous accueillir mais pas trop où est-ce qu'elle est passée mais elle est plus là. Hein. Tu fais flipper.
Non. C'est long. Ok. Ok, bon, c'est très très bizarre. Mais en gros, ils sont tous fait choper à un moment donné comme nous, hein. Appareiller graines, trouver planète avec atmosphère similaire. Échange, arbre issu de graines, cœur, Soriamo.
Tu vas prendre photo. My brother, small and nice and cautiously. His noise as rock, closer is only. Be quiet. D'accord. Pourquoi pas. Y'a rien à faire avec ce quoi là, ça me perturbe. En tout cas, on a avancé. On sait qu'il y a un truc là. Là, j'ai pas trop d'idées en vrai. Hein. Pas trop d'options. On a ce truc là aussi qui est bizarre. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un... Mince. Non. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire que ce 15 là. Bon, ouais. J'ai pas trop d'autres idées. On a juste appris un peu plus, mais pas plus, pas moins, quoi. Attendez. Il y a aussi un délire avec l'arbre, mais pour l'instant j'ai pas d'idée plus que ça. Pas d'option, pas de. Non, je sais pas. C'est pas ouvert du tout, on est d'accord. C'est étrange pour l'instant. Là ici c'est fermé, donc ça c'est fermé parce qu'il y a un truc derrière. Ok, je réglais juste un truc en parallèle. Non, bah là, à part. En fait, essayer de débloquer les rouges qui sont en dessous, je ne sais pas. On va voir si lui qui dit quelque chose, parce que lui, il nous dit parler du faisceau rouge. On n'y a plus réellement accès. Ah oui, ok. Faut désactiver ce laser rouge Mofang. Checker un truc. Non, ok, tout est bon. Bah allez, on y va. Alors, j'ai regardé la rediffusion et je viens de capter du coup un truc. Ok. Alors, J'ai capté quelque chose de ma rediff, c'est qu'il demandait de détruire en fait le laser rouge, mais on est complètement, enfin je suis complètement con, parce qu'en fait je peux le détruire finalement, tout simplement en utilisant mon laser, bah oui. De cette manière là. Ah oui, d'accord, c'était ça qui retenait le dôme. Donc là, actuellement, il n'y a plus de dôme, il n'y a plus de protection, il n'y a plus rien. Bon. On va aller voir ce qu'il nous dit de beau. Ah, oui.
D'accord. D'accord. Donc l'arbre est lié à tout. C'est un peu un connard quand même, hein. Un câble. Mon frère, je sais pas de quoi tu me parles. Donc en gros, l'arbre serait lié à tout. Donc, par contre, il m'a parlé de câble, mais je sais pas trop de quoi il me parle. Moi, j'ai envie d'aller voir. Par contre, du coup, ah, y a toujours ces rochers là-bas, mais je peux pas les atteindre. J'avais déjà essayé hier. On est à ça près, hein. Ouais, en fait, on tourne de trop, en fait. Là, il fallait que ça soit beaucoup plus droit. Non, se trouve plus aller par là que ailleurs. Ouais, quoi qu'on fasse, on n'y arrive pas à atteindre ce truc-là. À mon avis, il y aura un truc à faire pour atteindre ça, mais là, en fait. On a tout ça là, mais il n'y a pas moyen d'arriver à atteindre. Alors, c'est peut-être juste con, je suis peut-être juste débile, ce qui est probable. Hein. Très, 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 très probable, mais bon. Bon, il m'a parlé de câble, j'ai pas trop compris. Alors, peut-être ça, la rigueur. Mais je l'ai déjà fait. On ira voir. Par contre, moi, c'est l'arbre, du coup, il m'a dit, allez à l'arbre. Tout est lié par rapport à l'arbre. Apparemment, tout n'est que mensonge et diffamation. L'évidence est toujours fermée. Alors, par contre, il m'a dit d'aller à l'arbre, mais en fait, l'arbre il est fermé. Alors, nous on l'a déjà alimenté en eau. Ouais. Je sais pas trop. Alors. Du coup, on a débloqué le 2, moi je serais curieux d'aller voir un endroit. Alors je sais pas trop si on peut faire des choses ou quoi, parce que du coup on peut aller à l'extérieur maintenant, en théorie théorique. Mais il y avait un endroit qui était un peu étrange, qu'on avait unlocké, enfin, c'était en gros les rochers là qu'on a débloqués là-bas. Genre il se passe quoi maintenant si on me sort du Doom et que j'y vais? Est-ce qu'il y a un truc par là pour que ça soit bloqué? Enfin je veux dire, c'est pas anodin. Le fait que ça a été... Alors là, est-ce qu'on peut faire un truc ou pas? Ah, quoi? Oh, quoi? Ah ouais, oh là! Oh, ok. Ok. Ah, je m'attendais tout sauf à ça. Alors j'ai fait la paroi à côté parce que du coup j'étais curieux. J'ai atterri, alors juste à côté du garage, mais au-dessus des barres. Alors attends, je vais juste voir ce qu'il y a par là-bas. D'accord, donc en fait, il y a toujours une paroi, sauf qu'en fait, elle téléporte. Et là, on a accès à une nouvelle zone. Ah, est-ce que je pourrais téléporter ou pas le... Ok. Waouh. Du coup, attends, parce que je peux utiliser le rail finalement, on peut l'amener à d'autres nouveaux endroits. Genre là, si je l'amène. Ah non, bah non, quoi que. Enfin, si. Enfin, il faudrait que. Bah non, parce que du coup, il faudrait qu'il soit collé à la paroi à un moment donné. Ça n'arrive pas réellement. Donc là, on est au-dessus, on est juste à côté du garage. À mon avis, il y aura quand même un truc à faire. Une blague?
C'est totalement bloqué en fait. D'accord, donc en fait la paroi t'amène à un endroit de la zone. Et là du coup ça doit amener à un endroit très spécifique. Alors pour que ça ait été bloqué et tout, j'imagine. Waouh, d'accord. Là ça nous amène ici, encore à un autre endroit. Donc c'était bien ça, donc je me suis demandé justement s'il n'y aurait pas un truc à faire, bah si tu vois. Une sorte de décharge. Thème de récompense à l'appui, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Là on a un pont, on a beaucoup de... En fait c'est une décharge littéralement avec beaucoup beaucoup d'objets. Là je peux rien y faire. Encore ces bestioles là. J'ai fait un truc. Il fallait peut-être mettre un autre truc dedans, à mon avis. Il y a peut-être quelque chose à mettre dedans parce que là il est vide. J'ai l'impression qu'on peut déposer quelque chose. Ah, d'accord, on est deux. What? Ah, oui, d'accord, on est à ce niveau-là. Je comprenais pas du tout où est-ce qu'on était. Ah oui, donc en fait, ok, donc en fait, ça mène quand même quasiment même pas. Par contre, il y aura, à mon avis, un train à amener ici parce que du coup, c'était collé à la paroi et. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait l'amener ici en vrai? Ah, peut-être pour aller là. Ici, bam, balancer un laser sur la boule. En tout cas, il y aura un train parce que là, il y a encore des chemins et trucs à régler. What is? It is a book. Alors, inventaire de nouveaux arrivés, d'accord. Donc en fait, il liste tous les objets, donc on va pas les lire. D'accord, donc il n'y a que ça. Donc c'est une liste des objets qu'ils ont à disposition. Qui ont été amenés finalement. Bah en fait, pareil, ici, qu'est-ce qu'on peut y faire à part aller là-dedans? Ah oui, d'accord. Ah si, c'est pour transporter moi en fait. Ah, des barres! Ah oui d'accord, ok. C'est original. Là il y a encore des choses et tout, mais on peut pas y accéder j'ai l'impression. Ou alors j'ai été bourré. Je vais me faire jeter, hein, je peux pas. Ok. C'est un ascenseur finalement. Ok, avec le moyen de le rappeler et de repartir. Ah mais du coup on est au niveau du garage. Oh. Oh. Non. Ne te ferme pas! Je t'ai ouvert mon cœur. Ah d'accord, je suis bloqué le... Garage Downtown! Alors, Furley Tower Junkyard Bucket Cave Cell. CW. Donc en fait c'est tout. Donc à mon avis là on doit pouvoir... On peut activer le levier mais il fait rien. J'ai l'impression en tout cas. Je ne sais pas. Il y a moyen du coup de s'ouvrir un raccourci là? Totalement fermée cette zone. C'est une zone totalement fermée. Hein. Il n'y a pas de moyen d'ouvrir une porte ou quoi. Alors je suppose que j'ai réactivé le truc parce que là, Downtown et Garage. Donc en fait, ça c'est les deux qui étaient éteints, non? Mais je peux pas interagir avec les plombs, les durites là, les machins. Je peux juste interagir avec le levier. Donc mis à part ça, moi je réactive et je sais pas si c'est bon. Alors, on va aller voir le garage du coup. Ah bah là si, attends, on peut peut-être... Ah, donc là le garage est allumé normalement. Oh, c'est quoi ça? Ah oui, on va avoir accès à la machine... Attends, du coup, je vais ici, tout est allumé là du coup. Maintenant qu'on a réouvert le levier, c'est bon. Ok, donc là tout est allumé. Ok, donc on a activé de nouvelles choses. Donc vraiment là, tout est bon, tout est allumé, tout est ouvert. Hmm.
Ok. J'ai pris de photos, je sais pas pourquoi. Non, je me dis genre juste il y a beaucoup de plaques. Bizarre. Marrant ça. Des plaques. C'est des plaques de différentes. New York, Rhode Island, Washington, Colorado, Ohio. C'est toutes les régions. Régions, ouais, régions. Peut-être de la merde. États-Unis. D'accord. Are you in a trouble? Need help? Ah, cool! Ah, mais on a un téléphone en plus juste à côté, on peut appeler peut-être. Alors, appelez le 1 55 30 435 79 68. On va tester, hein. Par contre, il y a la machine, je sais pas, hein, pas qu'est-ce qu'on peut en faire. Feuille de travail, interface de panneau commande polyvalent vilaine. Voici le panneau de commande que nous avons fourni, que nous ont fourni, WordFact, c'était dur à dire, les vilaines. Malgré qu'ils soient capables de contrôler leur système par vocalisation, ils ont confié ces panneaux de commande d'autres espèces afin de leur offrir un accès et un contrôle limité. En cas de difficulté, demandez de l'aide à Noah. Rappelez-vous, les vilaines calculent en base de 4. En base 4. Glissez une forme à une autre pour former les chiffres vilaines. Pour déconnecter, faites glisser entre deux formes. Un panneau standard comporte 5 chiffres, mais il existe aussi des panneaux à 1 chiffre. Pour simuler un panneau à 1 chiffre, 0,3. Utilisez que le premier chiffre. Tous les panneaux ne corrigent automatiquement en cas de saisie incorrecte. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'on avait eu un truc ça? Ça m'inspire bien ça. Comment ça marche? Ah oui, d'accord. Ah. Ah, maintenant on met 406. J'ai obtenu un chiffre, hein. On est d'accord, hein, j'ai obtenu un chiffre. D'accord. Donc là, en faisant ça, je peux l'initialiser ou pas le machin? Client. D'accord, en fait ça donne des trucs et tout. D'accord, en fait ça réinitialise. Mais là en rentrant du coup la forme 15 qu'on avait eu. Ça donne 406. Bon, je ne sais pas. Et là ça forme autre chose. Donc moi, par ce symbole là, on n'a pas eu d'autres dés comme ça. Hein. Bah 406, écoute, on verra. Donc, ah, c'est très. D'accord. Moula cola. MDR. Alors après on peut tester du coup le numéro qu'on a chopé. Numéro. Après. On peut rentrer des lettres aussi, hein. What the fuck? Est-ce que ça aurait un rapport avec les plaques peut-être? Les différents états, est-ce que ça ferait quelque chose? Alors 1555, 435, 79, 68. Ça fait beaucoup à retenir. 1,55, 435. Et là, attends, le dernier, c'est quoi? 435. 7968. Et il s'en bat la race.
J'ai cru qu'on pourrait faire quelque chose. Voilà, j'ai mal rentré. 1, 555, 435, 7968. Après, là, c'est bizarre parce que tu regardes, tu vois, il y a des lettres et des chiffres. Alors, est-ce qu'il faut un truc par rapport à ça, peut-être? DJM 807, peut-être? Si on commence par ça. D. J. M. J'ai oublié, c'est grave. Je suis pas dedans. 807. DJM. Attendez, il faut que ma mémoire se remette. DJM 807. DJM 807. Je recommande pour voir s'il faut faire tout d'affilée. Hein. Ça se trouve, c'est parce que je coupe à chaque fois. DJ M 807. Samba, la race. Est-ce que c'est l'une des plaques, peut-être, qui faut entrer? CLU 287. Ça se trouve, c'est peut-être une seule qui marche. Hein. CLU 287, on est d'accord? Ouais, CLU 287. CLU 287. C. L. U. 287. Ah, ou alors c'est peut-être un rapport avec ça. Ericsson Next Left. Si ça se trouve, c'est par rapport à l'endroit où on est. Parce qu'il y a quand même ce panneau. Mais j'ai aucune idée. Sauf qu'il y en a un qui doit marcher. Et il est peut-être en rapport avec Minnesota, Montana, Washington, Colorado. Au 19 route 71, Exxon. Erickson, Ricksville. À mon avis, je ne dois pas connaître correctement le truc et puis je sais pas. BG 4153, on va tous les essayer. Hein. Ça se trouve, c'est rapport avec ça et je sais pas. BG 453. Je sais que je suis BG. Je suis quasi sûr qu'il y a un truc à faire avec ces trucs-là. 15J520. 15J520. Oh, ça fait rien du tout. Je pense qu'il y a un truc qui doit s'afficher là. Tu vois, ça fait très. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Ok, je suis sûr. Je vais tous essayer. J'en ai rien à péter. On a fait ces deux, ces quatre là. 4H 1693. 4 H 16 93. Est-ce qu'il y a un dernier truc à faire? Ça se trouve, il y avait un truc à faire avant. Attends, je sais pas. Ah, je pense que ça va être en rapport avec ce qu'il y a à côté, mais comme je connais pas assez bien. Je ne connais pas les régions en Amérique. Je trouve que je suis juste con, hein, ça se trouve c'est devant moi. 6A 9415. 6A 4915. Si ça fait rien du tout, je vais avoir le seum. AL9 742.
Je suis embêté. Aucun ne marche. Un ME 107. Si c'est le dernier qui marche, je suis content et en même temps j'ai le seum. Y a rien qui se passe. Hein. AR 2958. Même ma vie n'est pas autant un échec. 3 AD X61. 3 AD X61. 3 AD X61. Nickel, frère. Je suis quasi sûr qu'il y a un truc à faire avec ça. Hein. Attends, je suis perturbé, j'ai besoin de savoir. Je vais aller voir vite sur internet. Parce que là, je me dis, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un truc vraiment à faire? Je pense que oui, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Oui, il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, c'est quoi juste l'idée? Est-ce que je suis bon ou pas? Parce que moi, c'est ça, hein, les plaques et tout. Ah mince, c'est pas le même cadran. Ah, d'accord. Alors, je me suis légèrement spoilé sur un truc. Ok, je me suis légèrement spoilé sur un truc. Alors, en fait, il faut pas. En fait, ça sert à rien. Mais en fait, il y a des lettres avec les chiffres, et en gros, il y a une des plaques qui va servir à former un code pour un truc après. Donc en fait, je me suis un peu, bon, je me suis un peu spoil, mais c'est pas grave. Au moins, on sait qu'on est bon. Donc on a mis le garage, on a récupéré avec le 15 un chiffre. On sait que les plaques et le numéro téléphonique va servir à quelque chose. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, on a débloqué de nouvelles choses. Non, je sais plus qu'est-ce qu'on a mis. On a Town, je crois. On a la. Ouais, je sais pas, la ville. On va aller voir un peu s'il y a de nouvelles choses qui ont été unlockées. Maintenant, on a un accès au garage et tout. Ça mène à où ça? Ah oui, à ça là. Mais ça, on avait dit qu'on pouvait pas y aller. Porte à noter que comme là, c'est tourné, on n'a pas accès à la rampe qui est là. Hein. Bon, on va y monter. Il faudrait pas que je me fasse avoir. Alors attendez, genre juste 5 minutes. Ouais. Ouais, j'avoue, perplexité perplexe. On va.
va aller voir un peu si on a de nouvelles choses. Alors lui, il avait dit quoi? Il avait dit l'arbre. L'arbre, l'arbre, l'arbre. Mais là, du coup, on n'a rien avec l'arbre pour l'instant. J'ai pas d'idée avec l'arbre parce que là, c'est bloqué. Genre bloqué, bloqué. Après, je suis en train de me dire, du coup, maintenant. Parce que là, attends, parce que ça, c'est notre passage pour aller de l'autre côté. Maintenant, chez Furley, on peut aussi, en vrai. Accès de l'autre côté. Non? Oui, si. On est d'accord. Hein. Je suis pas fumé. Je suis en train de réfléchir. Mais oui, parce que du coup, on avait un accès. Là-bas. Donc en vrai, on peut refermer. Il faudra juste qu'on fasse le tour à chaque fois, quoi, par de l'autre côté. Là, c'est toujours fermé, je suppose. Ok. Et là, du coup, ça nous donne l'accès à la rampe. On n'avait pas eu d'accès à là-haut. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a là-haut. Là, il y a toujours ces rochers. Ouais. Est-ce qu'on a fait quelque chose de nouveau? Avec là-haut, là. Avec ça. Parce qu'on a activé le courant dans de nouveaux endroits. Mais je sais plus exactement où. Qu'est-ce qui a été activé? C'est con. Bah, lui, il fait toujours autant de bruit, en fait, tu me diras. Là, on avait mis de l'eau. Hein. On a fait quand même quelque chose déjà ici depuis un moment qui avait fait. Enfin, c'était genre juste activer l'eau en fait, tout simplement. Comme ça, à mon avis, ça il faut le laisser baisser. Hein. On voit, il y a de l'eau qui coule, donc ça veut dire que c'est bon. On peut pas faire plus. En fait, ici, c'est vraiment juste pour accéder à la vanne. Et je pense qu'une fois que tu l'as activé, il n'y a pas besoin de le réactiver 36 milliards de fois. Une fois que c'est fait, c'est fait. Là, c'est juste l'explication sur les lasers et les machins. Là-bas, on peut rien faire. Peut-être des choses à faire aussi ici. Moi, là, le seul truc avec le chariot, est-ce qu'on peut le déplacer quelque part? Parce que maintenant, on peut se téléporter. Et j'avais l'impression qu'on pouvait amener le chariot là-haut. Mais en vrai, pourquoi est-ce qu'on le ramenait là-haut? Ça ne servirait à rien, tu me diras. Je suis con. Mais là, il n'y avait rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. Ah là, il y a du courant maintenant. Moi je vois rien qui peut être fait. Hein. Ok là on a réactivé le courant mais ça sert à que dalle. Hein. Ah, qui parlait aussi de ce caillou là, on sait pas trop ce que c'est. Oui. Là, il y avait ça, mais bon, là, il n'y a pas plus, pas moins. Hein. Ouais. Non, bah là, c'est juste un bar classico. Il y a peut-être des choses que j'ai peut-être loupées ici, mais normalement, j'ai pris en photo, je crois. Enfin, bon, j'ai pas plus de projets. J'ai pas d'idée, là. Hein. Je suis un peu. Je nage. Ah, mais là, là, on peut amener le chariot aussi. On peut lui faire faire quelque chose. Mais si, mais là. Mais si, mais c'est clair. Là, on peut le faire TP. Bah, c'est là, bah, c'est pile la zone qu'on a parlé en fait. Bah, c'est pile ça en fait. Bah, alors, attends, parce que. Du coup, si je peux l'amener ici, on peut faire un truc avec la boule. On peut interagir avec. Parce que là, on va voir l'angle. Là, pour moi, le chariot. Mais après, il y a les rochers. Les rochers, à mon avis, il doit y avoir un truc à faire. Ce qui est même, c'est que si je l'amène là-bas, du coup, c'est-à-dire que les rochers, on le fait pas, quoi. Ah, mais attends. Truc con. Par hasard.
Non, on n'a pas de vue, hein. Quoi que ce soit. D'ailleurs, là, j'ai pas vu. En fait, il y a un chemin. Non. Ah, mais là, on est juste à côté de l'autre truc. Ah ouais, d'accord. Tu es trop con, on a pour y accéder juste en grimpant les rochers, puis on peut pas. D'accord. Il n'y a pas un autre endroit qui pourrait nous amener. Parce que là, en fait, on peut amener le chariot là-bas. Et au pire, on peut interagir avec la boule. Là, moi, c'est ce que je vois actuellement de possibilités possibles. Mais à part ça, il y avait un autre endroit que je voulais voir aussi. Parce qu'il y avait un endroit qui servait à rien. T'arrivais au bout, t'étais en mode bon, bah nickel, voilà. Donc là, en fait, ça c'est cool parce que du coup, maintenant on peut accéder à là. Là, tu vois, c'est ça. Toi, t'es en mode c'est comme bizarre, tu vois. Puis t'as un petit chemin et tout. Mais genre ici, on peut rien faire. Mais genre ici, on peut rien faire. En plus, c'est bien axé et tout. Alors, est-ce qu'il y a un truc? Ah bah. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Je le savais. On a trouvé un moyen là. Ah oula. Ok. Waouh. Just one minute. Alors attends. Parce que là, il y a un truc. Ok. Ah moi je pensais qu'on allait débloquer un raccourci avec la porte qui était en bas, mais non. En fait c'est totalement... Alors du coup il y a vraiment un autre truc à part en bas. Donc là en fait en accédant... Donc effectivement ce que j'ai vu qui était un peu bizarre. Ah le raccourci il est là. Ok donc ça c'est notre raccourci. Par là-bas. Ouais, le chemin, toi, mon frère. Bien qu'il est là, il est bien isolé. Hein. Ah, c'est la tour. Ah, ouais, c'est un bus. Non, un train. Train, un bus. Un train. Ah! Ah, bah tiens. Un truc de numéro de téléphone. Mince. Bah, alors, du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Est-ce que, du coup, là, il n'y aurait pas un. Donc, du coup. Je me suis un peu spoil juste sur cette énigme-là. Donc on sait que en gros, on doit former une suite de 6 chiffres. Donc c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il y a toujours... Sauf qu'en fait, il faut compléter. Donc là, par exemple, on a DJM 807. Donc par exemple, DJM 807. D, J, M. 356-807. 356-807. Un truc pour noter. Attendez. On va noter parce que je vais essayer de tous les faire en mode first try. Ça, on a tous les chiffres et après il n'y aura plus qu'à les tester sur le cadran. Et au moins comme ça c'est bon. Donc on a dit. On va les noter vite fait. Alors c'est U 287 4H. Elle est toujours là Elle est là, Cannelle? Non. Elle n'est plus là? Je sais pas où elle est. Non, je sais pas non plus où est-ce qu'elle est. Alors je sais pas c'est laquelle, comment est-ce qu'on est censé trouver? On va vérifier après. Je vais juste noter les différentes plaques. Parce que là, si je dois faire l'aller-retour à chaque fois dans mes trucs et tout, je préfère prendre le temps de tous ces noter et c'est un peu chiant. Mais au moins une fois que c'est fait,
C'est fait quoi? Un, deux, trois, quatre, cinq. On a DJM, on a CLU, on a 4H, BG et le 15. Ensuite, il manque 6A, 9, 4, 1, 5, L, 9, 7, 4, 2, 1, M, E, 0, 7, 1, R, 2, 9, 5, 8. 3 A D X 6 1 et c'est bon. Normalement, on les a tous. Parce que alors là, mon pote, si je dois déchiffrer. Alors, par contre, je sais pas si on a un indice sur lequel est la bonne. Parce que là, il me balance ça. Donc, pour moi, je pense que c'est là qu'il faut résoudre le truc. Et alors, à partir de là, normalement, on a de quoi. Donc, là, on a récupéré les différentes plaques. Enfin, moi, je les ai notées. Et du coup, à partir de ça, du coup, on peut former les chiffres. Et après, je pense qu'il faudra juste les retranscrire sur le cadran. Donc, DJM, ça donnerait 3, 5, 6. Donc, 807 derrière. B et G, ça donnerait 2 et 4. Donc, 24 400. Non, 244 000. 153. CLU, ça donnerait 2, 5, 8. Un, 5. Alors, J, c'est combien? J, c'est 5 aussi. Beaucoup de 5. Hein? C'est du chocolat périmé. Ouais, j'ai compris périmé. Non. Un chocolat, ça peut pas périmer. Ouais, non, périné, ça va. Bah, ça dépend parce qu'ils sont un peu sucrés, je trouve, ceux-là. Ouais. Mais ils sont bons. Ouais, je crois que c'est bon. Les chocolats pyridés. C'est trop bon. Donc là, le H c'est 4. Après, on a 6A, donc c'est 1. Ah bah non, c'est 2. Le 1 il est solo. Donc 6, 2, 9, 4, 1, 5. Purée, alors là, tout s'est testé, mon pote. C'est quoi que tu prends? Je prends, ça dérange pas. Ok. Le L c'est 5. 9, 7, 4, 2. Quel bordel! Et franchement, ils auraient pu mettre plus de plaques, ça m'aurait autant cassé les couilles. Mais ça va, on s'amuse, c'est le fun. Le fun de trouver des chiffres sur des lettres. Moi, j'aime bien. C'est le seul moment où je réfléchis intelligemment, on va dire, dans ma vie. Et vu que je réfléchis pas souvent et que je suis pas souvent intelligent, moi, je peux en profiter. 2, 9, 5, 8. 3, donc là c'est 2, D c'est 3, X c'est 9, 6, 1. Donc là maintenant on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Et bien si ça marche pas, je pète un câble. Donc on va tester. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 3, attends, 3, 6, 7. C'est pas ça. Le premier code ne marche pas. Est-ce qu'on a le seum? Oui, un peu. 2, 4, 4, 1. 5, 3, c'est pas ça. Yes! Je sens que ça va être le dernier qui va marcher après les avoir tous testés. Mais en tout cas, c'est sûr, de toute façon, c'est ça. Parce que là, on nous donne un cadran, c'est pas anodin. 5, 6, 7, 8, 2. Je me suis planté. Insultez-moi.
Je me suis planté. Alors attends. 2. 3, 4, 5. Ah, ils ont pu mettre les chiffres quand même, hein. C'est horrible. 6, 7, 8. 2. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. Quoi? Il a remis un 7. Mais non, attends, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Ah non, 8. Bah non, je sais pas compter. Oh là là. Tragédie, je sais pas compter. Sauvez-moi. Ok, ça marche pas non plus. Alors lui, il va être un peu plus simple. Ah, celui-ci, ils ont beaucoup aimé les 5. Ça marche pas non plus. Youpi. 4. 4. 1. 6. 9. Et 3. Eh ben nickel, on continue. 4, 5, 6. 2. 9. 4. 1. Et le numéro gagnant, le 5. Yes. J'adore ma vie actuellement. Deux, cinq, neuf. On est d'accord. Le 7. Le 4. Et le 2. Ah! C'était celui-ci! C'est tout.